Oui, ça va, merci. On te fait des gros bisous. Salut. Salut. Il y a Mario qui est là. Salut Mario. Comment est-ce? Salut, ça va, bon. Ça va? Bien. Mario, tu viens d'où? De région de Charleroi. Ah, toi-même, tu sais. Bon, Mario, qu'est-ce qui se passe alors? T'as envie de poser une question sur quoi, toi? Sentimental. Ah, de l'amour. Super Mario. Super Mario. T'es con. Le pauvre. On doit lui faire la vanne à peu près 15 fois par jour. Oui, mais pas avec la musique. Non, ça, c'est bon. Ah oui, il y a des moyens. C'est une production hollywoodienne. Bon, Mario, ça va, sinon. Ça va. Donc, est-ce que Mario va trouver l'amour? C'est ça, Mario, que tu veux demander exactement? Voilà, exactement, oui. Bonsoir, Mario. Bonsoir. Puis-je avoir ta date de naissance, s'il te plaît? Oui, bien sûr. C'est le 13 octobre en 1978. 78. Eh bien, écoute, on va regarder à ça. Olivier, s'il te plaît. Mais, ça va, on met l'ambiance, Vincent. Ça va, ah oui, ça va. Toi, tu fais la voyance, nous, on fait l'animation. Laisse-nous faire. Ça va, ça va. Attends, je mets autre chose. Alors, vas-y. On regarde... Le pauvre. S'il arrive à faire voyant dans cette émission, il peut faire voyant partout. Ah, ça tu l'as dit. Ah ouais, ça va être du feu. Alors là. Alors, mais t'as pas un truc plus romantique au lieu où on parle d'amour? Plus romantique? Bah oui, s'il te plaît. Allez, si, attends. Mario, il veut savoir s'il va trouver la femme de sa vie. Mais... je vais trouver ça. Ou l'homme de sa vie, je ne sais pas. Mais attends, parce que les cartes n'ont pas l'air de... Non, non, franchement, c'est un petit peu froid. Ah ouais, ah, d'accord. Attends, je mets autre chose alors. C'est un petit peu froid. Ah. Il n'y a pas grand-chose qui se profile pour le moment, Mario. Donc là, je suis obligé de continuer pour approfondir un peu le tirage et voir un petit peu s'il y a quand même des choses qui vont bouger. Ben malheureusement, ce ne sera pas pour tout de suite. Non, ce ne sera pas pour tout de suite. Il faudra vraiment que tu sois patient. Il y aura peut-être des rencontres, mais ce n'est pas encore cette année-ci que tu vas te stabiliser. On pourra éventuellement parler d'une stabilisation pour toi l'année prochaine avec une personne que tu ne connais pas encore. Cette personne, elle arrive vers toi vers le mois d'avril-mai et je vois que du bonheur dans cette nouvelle rencontre. Il a quand même osé mettre Titanic, Olivier. Ben oui, parce que vu les mauvaises nouvelles, je me suis dit ça prend l'eau, mais... Ça se termine bien. Ça se termine bien au niveau du mois d'avril, mois de mai, une nouvelle rencontre pour Mario qui vraiment va lui permettre de trouver enfin la bonne personne, en tout cas. En même temps, il vaut mieux rester un petit peu seul, mais de trouver la bonne après, que ce soit une belle histoire, hein, Mario. Oui, bien sûr, oui. Donc, en fait, il y avait encore la veuve poignée dans le tirage, quoi. Ah, il y avait la veuve poignée. Il y a ma gauche, ma droite. Écoute, ça va aller, on va te donner une liste de chouettes films. Fred, il en a plein, il a même des abonnements à toutes les plateformes qu'il faut, d'accord? Ouais, ça va. On te fait des bisous, Mario. Sois courageux, Mario, parce que un jour ou l'autre, l'amour arrivera et frappera ta porte. Ouais. À voir nos jours se rencontrer. Mario, ça c'est pour toi, Mario. Un jour, l'amour frappera à ta porte. Destinée. Inutile de fuir.